Bonjour tout le monde. C'était supposé être un live. Finalement, ça va être une vidéo. J'ai aucune idée pourquoi. J'ai déjà été capable par le passé de faire un live via mon ordinateur, mais apparemment que le petit bouton lancé là, direct ne voulait pas devenir bleu. Donc, les joies de la technologie et surtout les joies d'une maman qui a eu une fille qui est tombée malade cette nuit, gastro, et j'ai prié toute la journée pour ne pas l'attraper. Je ne l'ai pas attrapée, par contre, ça m'a un petit peu désorganisée. Et puis, ben voilà. Donc, j'aurais aimé être en live avec vous, sincèrement. J'aurais vraiment aimé pouvoir répondre à vos questions directement. Par contre, hein, il y a toujours des solutions à toute situation. Cette vidéo-là, je vais la mettre sur la page de l'événement que j'ai créé. Et puis, vous pourrez aller écrire vos questions, puis ça va me faire plaisir de vous répondre après coup, dans le fond. Donc, merci beaucoup. Merci à tous ceux qui sont là puis qui se disent, ben voyons, pourquoi il n'y a pas de live? Pourquoi il n'y a pas de live? Je suis en train de le faire, je vous l'envoie. Inquiétez-vous pas, ça s'en vient. Donc, merci beaucoup à ceux qui ont vraiment à cœur le projet que je suis en train de mettre sur pied, puis de votre soutien. Déjà, je sens déjà beaucoup de soutien, puis je suis très, très, très honorée, très touchée aussi. J'ai hâte de vous présenter ce projet-là. Mais avant de vous présenter le projet, ben, c'est pas tout le monde qui me connaisse. Hein, donc, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je m'appelle Kim Gosselin, j'ai 48 ans, j'ai 4 enfants. Donc, je sais c'est quoi être un parent. Je sais c'est quoi être maman. Je sais c'est quoi avoir des enfants avec des défis. Et j'ai été dans une. Pas une vie antérieure parce que je le suis encore, chanteuse de formation, comédienne autodidacte. Et puis, j'ai une entreprise depuis 15 ans, je travaille auprès de la petite enfance. Donc, depuis 15 ans, j'ai Gribouille et Gazouille, dans lequel je fais des ateliers, des animations, des spectacles. Je suis un peu comme entre le divertissement et le bien-être parce que j'ai toujours eu à cœur dans ce que je faisais, de toujours que les enfants se sentent accueillis, se sentent bien, se sentent épanouis, puis que tout ce que je fais, même si c'est de l'éveil musical ou des choses qui sont peut-être un petit peu plus légères. Il y a toujours quelque chose pour moi, il y a toujours un message positif ou un objectif, un but que je veux atteindre auprès des enfants. Donc, voilà. Et ben, la COVID ayant fait beaucoup, beaucoup de changements dans la vie de bien des personnes, ben, elle a eu des changements aussi dans ma vie. Alors, j'ai découvert que j'étais thérapeute aussi dans l'âme et dans tout ce que je faisais justement. Donc, j'ai ajouté à mes cordes. Oui, c'est ça. Mes cordes. Le titre de thérapeute en relation d'aide complémentaire et thérapeute praticienne en hypnose ici. Et j'ai choisi de me spécialiser enfants et familles. Donc, oui, bien sûr, je suis aussi certifiée adolescent-adulte, mais je le fais le plus, dans le fond, je me concentre plus dans la dynamique familiale et tout ça. Donc, comme je vous disais, ayant 4 enfants, je sais très bien. Je le vis au quotidien aussi. Donc, voilà. Donc, ça, c'est un petit peu pour qui je suis et tout ça. Et comme ben, tout à l'heure, je vais vous présenter, je vais aussi essayer de vous partager là, la vidéo que j'ai créée pour la campagne de sociofinancement. Et comme je le dis dans la vidéo, avant même que je fasse de l'hypnose, on me disait souvent que ma voix avait un petit quelque chose. Petite anecdote comme ça, j'ai des albums, donc j'ai déjà des albums à mon actif. Donc pour moi, le projet de faire un livre CD, c'est pas quelque chose qui est complètement loin de moi. J'ai déjà des albums à mon actif et même dans un album qui se veut tout simplement un album pour faire chanter, danser les enfants, ben j'ai eu des témoignages d'enfants qui, pour eux, leur rituel, c'était vraiment de faire jouer ces chansons-là pour s'endormir parce que c'est ça, ma voix les calmait. Et j'ai eu aussi des commentaires de certains adultes aussi. Donc, maintenant que je fais de l'hypnose, ben, je l'ai encore plus souvent, c'est bien certain, ce commentaire-là. Donc, pour moi, c'était vraiment comme la suite logique des choses, d'en venir à vraiment comme réunir toutes les facettes de ma personnalité, tous les on peut dire les dons ou les talents ou peu importe, qui font la personne que je suis. Donc, en un
produit. Puis pourquoi un livre CD? Ben, en fait, présentement, les enfants qui viennent me voir dans mon bureau, je leur donne des petites méditations à écouter le soir pour s'endormir et je vois à quel point ils adorent, ils aiment, que ça les aide beaucoup. Et c'est surtout quand, à force de rencontrer des enfants avec leurs défis, je me rends compte à quel point le besoin est criant pour nos enfants. Et aussi, petite tranche de vie, je fais aussi de la surveillance dans une école primaire et puis j'observe ce qui se passe. Et puis, l'école, c'est quelque chose hein, pour un enfant. Là, je ne parle pas du tout, là, on ne lance pas dans des débats, là, je parle juste au niveau ambiance, là. Plein d'enfants qui sont en apprentissage de s'adapter aux relations socialement et tout ça, qui sont en train de se découvrir, puis que, là, qui se mettent à être confrontés aux autres et tout ça, tous les enjeux qui se vivent pour les enfants, le bruit, c'est bruyant, c'est OK, à telle heure on fait ci, maintenant c'est ça, maintenant c'est ci, OK, dépêche-toi le matin, l'école, blablabla, hein, on le sait là. Donc, la réalité des enfants, c'est vraiment quelque chose. Donc, pour moi, c'est un outil qui vient aussi, qui vient accompagner l'enfant pour aller l'amener à avoir un moment dans sa journée où il peut se déposer, où il peut aller trouver le calme en lui, où il peut aller faire le plein de pensées positives pour aller renforcer le positif dans sa vie et tout ça pour l'amener aussi à relever ses défis. Donc, voilà, pour moi, c'était un besoin aussi. Puis je sais que c'est pas tous les parents qui peuvent aussi se permettre d'avoir un accompagnement individuel et tout ça. Donc, je me dis qu'un outil comme ça, c'est déjà un plus pour eux, qui est plus abordable, donc qui est plus facile. Puis vous allez voir, là, je vais le parler en détail, je ne vais pas tout détailler, mais c'est ça. Donc, c'est un peu les motivations qui m'amènent à faire ce projet-là. Ça me tient vraiment beaucoup à cœur. Et ce qui est extraordinaire, c'est que là, ça ne fait que commencer. Déjà, je sens l'intérêt, l'engouement. Non seulement des gens qui sont intéressés à l'acheter, à l'avoir, ce produit-là, mais aussi des personnes clés dans mon entourage, des gens qui m'ont formé ou qui m'ont accompagné ou des gens que j'ai rencontrés qui sont dans des domaines connexes, complémentaires avec ce que je fais et tout ça. Donc, je me rends compte que je suis très soutenue. Et ça va être vraiment extraordinaire de pouvoir aller puiser dans ces ressources-là pour vraiment créer un produit de qualité et un produit qui va vraiment perdurer pour le bien de nos enfants. Donc, ceci étant dit, si vous avez des questions, allez-y, ça se peut que je n'ai pas touché à tout, mais je vais tenter de vous partager la vidéo. Mais de toute façon, même si vous ne la voyez pas là, vous allez pouvoir la visionner aussi sur la page de la ruche, là, puis elle va être un peu partout aussi, là, sur la page du site de Gribouille et Gazouillis aussi. Donc, voyons si moi et la technologie, on réussit. Est-ce que je vais réussir? Est-ce que je vais réussir? Je crois que oui. Je crois que oui. Alors, c'est parti. Bonjour, je me présente, je m'appelle Kim, je suis thérapeute praticienne en hypnose ici spécialisée pour les enfants et la famille. Depuis plus de 15 ans, je contribue au bien-être et au développement des enfants avec mon entreprise Gribouille et Gazouille. Mon partenaire et moi aimerions vous parler d'un projet d'un livre CD d'hypnose pour enfants. Ce sera le tout premier d'une série de 7 livres pour les 3 à 8 ans. Et le premier s'appelle Je suis. Mais avant de vous en parler plus en détail, je vous invite à vous installer confortablement et à ralentir votre respiration et à calmer vos pensées et à vous laisser tout doucement, tranquillement, bercer au son de ma voix. Et au compte de trois, vous pourrez enfin fermer les yeux. Un, deux, Bien avant que je fasse de l'hypnose, on me disait déjà que ma voix avait quelque chose d'apaisant et de rassurant pour les enfants et les adultes.
Et depuis que je suis thérapeute, je réalise à quel point le besoin est criant chez nos enfants. Alors, imaginez un outil pour accompagner votre enfant dans son bien-être, pour l'aider à avoir un meilleur sommeil, à se sentir plus calme et plus confiant. Le CD est à écouter librement ou une piste en particulier pour un besoin spécifique ou dans un processus transformateur de 21 jours. Le CD comporte une relaxation, de la cohérence cardiaque, de la régulation émotionnelle, de la libération des émotions, une méditation, une hypnose, des affirmations positives et même une histoire et une chanson. Le livre comporte des images qui accompagnent les pistes du CD, une histoire à colorier, ainsi que le guide pour l'adulte qui accompagne l'enfant. Le livre et le CD sont vendus séparément afin de vous permettre de choisir les formats qui vous conviennent. Le projet vous intéresse? Alors, voici comment vous pouvez m'aider à le réaliser. Vous pouvez. Je vais arrêter ça là parce que dans le fond, je vais vous le dire tranquillement parce que dans la vidéo, ça va vite. Je vais arrêter le partage. Donc, voilà. Non, je ne vais pas arrêter le partage, en fait. Je vais aller visionner avec vous, toujours en espérant, parce que là, je ne peux pas vérifier. Mais en allant vérifier avec vous si. OK, c'est ici. Bon, voilà. Alors, on va fermer ça et j'espère que vous voyez ce que je vois. Donc, voici comment vous pouvez contribuer à la réalisation de ce projet-là. Donc, il y a plusieurs façons. Je vous dirais que les premières façons qui sont les plus simples et qui ne nécessitent pas d'argent nécessairement, ben, c'est tout simplement de partager. Partager, inviter toutes les personnes que vous pensez qui pourraient être intéressées à ce genre de produit-là, ben, invitez-les soit bien sûr sur la page de la ruche, mais s'ils veulent avoir écouté ce live-là, ben, ce faux live-là, ben, ils vont pouvoir venir le voir sur la page de l'événement qui va rester là, dans le fond. Donc, partagez, parlez-en, invitez les gens, vraiment, là, créez vraiment cet effet-là de boule de neige, là, que je dirais, pour vraiment susciter l'intérêt de tous ceux qui pourraient être intéressés. Donc, plus on est actif, plus on le fait, ben, plus on a des chances que ça se réalise aussi. Donc, ça, c'est une façon de le faire, de partager pour que vous puissiez faire rayonner ce projet-là. Il va y avoir aussi des possibilités de faire des dons, tout simplement. Donc, si vous voyez ici, là, il y a la possibilité de donner 5, 10 ou 15 $. Ensuite, il y a la possibilité de commander, en fait, une méditation personnalisée. Donc, personnalisée, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, bon, vous allez avoir un choix de 5 thématiques différentes. Donc, s'il y a une thématique qui vous intéresse, donc vous pouvez choisir une thématique. Là, quand vous allez faire l'achat, il n'y aura pas de choix. Mais moi, une fois que je vais savoir qui a commandé quoi, c'est sûr que je vais vous contacter. Donc, je vais vous contacter, puis je vais vous demander d'abord le prénom de la personne pour que la méditation soit justement personnalisée, donc à son prénom. Et puis, vous allez pouvoir choisir aussi là, la thématique que vous voulez qu'il soit abordée durant la méditation. Je vais demander aussi des fois peut-être certains centres d'intérêt là, de la personne pour que ça soit encore un petit peu plus personnalisé. Donc, ça, c'est une possibilité. Vous pouvez commander ça. À savoir que toutes les choses que je vais vous décrire présentement, je me suis donné un délai jusqu'au 31 mai pour les faire. Vous comprenez que ça me prend un certain temps pour le faire aussi. Puis c'est selon aussi comment la campagne de sociofinancement va avoir lieu. Parce que je ne sais pas si vous savez comment ça fonctionne, une campagne de sociofinancement, mais je dois atteindre mon objectif pour que ça se réalise, pour que tant si longtemps que j'ai pas atteint mon temps, mon objectif, vous ne serez pas débité. Donc, ça va se prendre une fois qu'on va dire oui, ça a été réussi, j'ai atteint mon objectif. Et à ce moment-là, c'est là que ça va se faire. Donc, je me laisse un mois parce que la campagne est de 90 jours. Donc, je me laisse un mois pour me mettre en action et pour réaliser les choses et les livrer. Donc, méditation. Ensuite, pour 25 $, vous pouvez avoir votre CD.
qui est le clou du spectacle, qui est le projet, mais en format MP3, donc en format digital, téléchargeable. C'est un gros CD. C'est pas un CD de chansons normales, là, qu'on achète à 15 $, là, avec à peu près 10 pistes, là. Non, 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 il va y avoir une vingtaine de pistes. Parce qu'il y a des pistes qui sont des explications. Donc, c'est vraiment, parce que bon, ça l'est dit dans la vidéo, là, je le redis, c'est vraiment la façon de le voir, ce livre CD-là, là, les deux. C'est vraiment un outil bien-être pour les enfants, c'est vraiment un accompagnement pour les enfants. Bien sûr, vous pouvez le faire jouer comme ça, puis le laisser, bon, tu sais, puis, oui, ça, vous pouvez le faire. Mais si vous décidez de le faire, il va y avoir un processus transformateur de 21 jours parce qu'on sait que ça prend 21 jours pour prendre de bonnes habitudes. Donc, pour stopper des schémas de pensée qu'on tourne en boucle dans notre tête qui nous nuisent, puis en remplacer par des nouvelles, ben 21 jours, c'est un temps idéal pour faire le processus. Donc, c'est vraiment un accompagnement. Donc, ce n'est pas qu'un CD de musique et ce n'est pas qu'un livre d'histoire pour enfants. C'est vraiment quelque chose qui est un outil, un accompagnement qui se veut thérapeutique. Donc, voilà. Donc, à ce moment-là, il y a beaucoup de pistes. Il y a des pistes que ça va être des explications de l'accompagnement et il va y avoir une piste que tout à l'heure que je vais vous décrire. Ça a déjà été décrit dans la vidéo, mais je vais quand même vous le décrire. Comme je disais, ça, c'est votre format. Puis pourquoi c'est séparé livre et CD? C'est vraiment pour vous laisser le choix. C'est vraiment pour vous permettre selon votre situation. C'est sûr que moi, personnellement, le livre, je veux que ça soit vraiment une expérience en soi, le livre, quand on va l'ouvrir, les textures, la façon que ça va être fait, tout ça. Mais je peux comprendre que pour certaines personnes, qui préfèrent l'avoir au niveau digital. Donc, si vous l'avez format digital, ben à ce moment-là, ça va être en PDF que vous pouvez à ce moment-là imprimer. Et il va y avoir aussi quelques parties qui vont être en vidéo. Donc, les deux expériences sont différentes parce qu'en vidéo, c'est intéressant parce pour la cohérence cardiaque, entre autres, ben on va pouvoir avoir quelque chose qui est en mouvement, qui bouge, quelque chose de visuel, en fait. Mais là, je viens de sauter plus loin, hein. Donc, c'est ça, le CD. Comme je l'ai dit, le livre en format PDF et vidéo. Et ensuite, ben, vous avez là, 35 $, c'est l'album tangible. Et pour 40 $, vous avez le livre en papier. Comme je vous dis, le livre en papier, ça va être vraiment un livre qui va avoir une expérience vraiment particulière là, que vous allez l'avoir dans les mains. Puis il va venir avec le manuel aussi. Donc, le manuel du guide pour les parents pour faire le processus 21 jours. Ensuite, il y a possibilité de devenir partenaire. Donc, pour devenir partenaire, Hansberg, qui est dans le fond la personne qui est associée à tout ce qui est les ondes cérébrales, bon, la lecture des ondes cérébrales et tout ça. Donc, dans le fond, c'est tout. C'est pas compliqué, là. C'est d'avoir tous les... Là, si je me trompe pas, là, parce que... À un moment donné, la mémoire est quelque chose. Oui, c'est ça. Donc, ah, OK, je peux l'avoir comme ça. Bon, c'est détaillé. Bon, fait que là, on le voit. Recevoir, c'est ça. C'est la copie digitale du livre ainsi que les 5 méditations. Donc, c'est comme on va dire un bundle. Donc, c'est vraiment là, le tout ensemble. Ensuite, vous faites partenaire Gamma. Les titres de mes titres de partenariat, c'est dans le fond, c'est les ondes. Le nom des ondes que le cerveau produit selon notre état d'éveil. Gamma, alors à ce moment-là, c'est de recevoir la copie en papier et le livre CD ainsi que les 5 méditations en MP3. Donc celui-là, c'est une partie tangible et les méditations sont toujours format MP3. Ensuite, pour 300 $, vous pouvez devenir un partenaire bêta. Donc vous aurez une mention dans les publications. Ouais, je recommence. Les publications et les réseaux sociaux, et vous recevrez aussi votre copie du produit, c'est bien certain. Ensuite, 500 $, vous pouvez devenir partenaire alpha. Donc, vous allez avoir une mention dans les remerciements dans le livre. Les deux autres, c'est toujours un de plus, puis c'est toujours les mêmes autres choses qu'il y avait auparavant pour les autres types de partenariats. Ensuite, pour le projet Theta, donc, votre nom ou votre logo de votre entreprise sera lisible sur la page web du site du projet, ainsi que d'avoir une mention dans le livre. Et ensuite, le dernier, le Delta, qui est votre nom, votre logo de votre entreprise, sera visible sur la couverture du livre. Donc, ce n'est pas rien, là, c'est vraiment une place de choix. Donc, sur la couverture, et puis vous pouvez aussi avoir toutes les autres mentions. Donc, voilà, ça fait le tour des contributions. Et puis, ben, je vais revenir un petit peu sur...
qu'est-ce qu'il va y avoir dans le CD. Ce n'est pas que de l'hypnose. Donc, pour vous résumer un petit peu, il y a une relaxation. Donc, si on commence le CD, on le fait jouer comme ça, puis on le laisse aller. Ça va être un peu comme dans une espèce d'ordre précis. Donc, une relaxation qui va mettre l'enfant un petit peu dans un état de détente, qui va conseiller l'enfant de s'installer confortablement et tout ça, et tranquillement, on l'amène là, dans une ambiance agréable pour la détente. Et ensuite, ben, il va y avoir aussi de la cohérence cardiaque. Donc, ceux qui ne savent pas c'est quoi de la cohérence cardiaque, c'est une technique de respiration. Donc, puis ça, ben, je l'ai remarqué. Je fais une petite parenthèse, ça, je l'ai remarqué que beaucoup d'enfants, quand on leur demande d'inspirer, expirer, c'est très, très, très superficiel. Donc, moi, ce que je veux vraiment à travers cette piste-là, ça va être de vraiment accompagner l'enfant pour qu'il apprennent à mieux respirer, donc avoir une respiration beaucoup plus profonde. Donc ça aide aussi au niveau de la gestion des émotions. Quand on dit respire, mais que c'est... Ben voilà. Donc ça va servir à ça, cette piste-là, d'apprendre à l'enfant à mieux respirer, puis de faire de la cohérence cardiaque aussi. Ça amène encore une fois encore plus de calme. Ensuite, il va y avoir aussi, là, je regarde mes notes, de la régulation émotionnelle. Ça, c'est particulier. La régulation émotionnelle qui va être avec la technique Tipeee, c'est une technique qui, pour accompagner l'enfant à se réguler lui-même dans les émotions. C'est extraordinaire. On ne le sait pas, on ne s'en doute pas, on n'a pas idée de ça, mais le corps humain est extraordinairement bien fait et il est capable de se réguler dans les émotions et de faire partir l'empreinte émotionnelle. Par contre, on ne le sait pas comment, puis souvent on va y aller avec notre mental. Donc là, la piste va accompagner l'enfant là-dedans. Donc ça, c'est une piste qui peut être utilisée dans un moment précis. Si vous avez un enfant qui est dans une crise émotionnelle, puis vous voulez l'amener à se réguler et à se calmer, cette piste-là va être utile pour ça. Donc c'est un peu comme une trousse de premiers soins émotionnels. Ensuite, il va y avoir de la technique de libération des émotions, le EFT, donc le fameux tapping. Il va y avoir ça. Il va y avoir aussi bon, une méditation, une hypnose. Souvent, on se pose la question, c'est quoi la différence entre une hypnose et une méditation? Je vous dirais qu'au niveau des ondes cérébrales, au niveau de l'état de détente, c'est quand même assez semblable. La façon que moi, je le vois, ça regarde que moi, mais pour moi, la méditation, c'est plus comme... On est dans le moment présent. Donc, on se met vraiment dans un état de pleine conscience. On est dans le moment présent. Donc, on ne laisse pas nos pensées partir. On est vraiment là. Et on est un peu comme en mode écoute. Donc, on va se laisser un peu comme peut-être se laisser une ouverture pour que notre intuition ou tu sais, notre petite voix, qu'est-ce qu'elle a le goût de nous dire? Qu'est-ce que notre âme, qu'est-ce que notre cœur a le goût de dire, a besoin de dire? Donc, des fois, c'est dans ces moments-là qu'il peut avoir des belles. Comment dire ça? Des belles, j'allais dire réalisations, mais c'est pas ça que je veux dire comme mot. Des belles prises de conscience. Voilà, merci. Et puis, donc l'hypnose, ben, c'est que c'est guidé, c'est qu'il y a une personne qui vient proposer des changements de perception, qui vient proposer des nouvelles pensées, qui vient ouvrir des nouvelles portes, qui ouvre le chemin et qui amène la personne là, dans l'état qu'elle veut. Ensuite, il va y avoir même une histoire. Donc, une histoire pour amener justement l'enfant à intégrer tout ce qu'il apprend, tout ce qu'il vient de travailler avec le CD. Ben, à ce moment-là, faire appel à son imaginaire. Hein? Quoi de mieux que faire appel à la créativité, à l'imaginaire de l'enfant? C'est quand on est connecté à notre inconscience, c'est là, là. La créativité, là, tout est possible. On ouvre le champ des possibles. Donc, l'histoire va être là pour ça. Puis dans le livre, ça va être une partie où l'enfant va pouvoir aller colorier. Donc, il va pouvoir visualiser l'histoire avant même d'aller la faire audio en se fermant les yeux. Parce que ce n'est pas tous les enfants qui aiment ça, se fermer les yeux. Donc, ça va être une façon aussi de le faire avec le livre, de regarder les images. Donc, ça va l'aider aussi à suivre le CD. Et puis, ben, il va y avoir une chanson. Hein? Je suis une chanteuse, je ne pouvais pas faire autrement. Donc, il va y avoir une chanson aussi. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Moi, je suis super allumée, super excitée. Puis, je suis contente. La gastro m'a pas encore touchée. Donc, j'ai été capable de vous faire ce faux live. Donc, j'attends vos commentaires. J'attends vos questions. Ça va me faire un grand plaisir d'y répondre.
Et puis, voilà. Puis là, ben, je parle depuis tantôt, puis je souhaite que vous me voyez, parce que moi, je me vois dans la petite chose, mais j'ai l'impression peut-être que vous voyez juste la page que j'ai partagée. Donc, je me croise les doigts que vous me voyez, puis peut-être, je vais faire l'arrêt de partage. Donc, au moins, vous allez me voir à la fin. Si vous ne m'avez pas vu tout ce temps-là, vous allez pouvoir me voir une dernière fois. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été attentif à tout ça. Merci de votre support. Gênez-vous pas si vous avez des questions, des commentaires, ça va me faire plaisir. Partagez, partagez, partagez pour le bien-être de nos enfants qui en ont tellement, tellement besoin. Là, je suis en train de finir ça, puis là, ça me pop que, oups, t'as pas parlé de... Oui, c'est ça. Ce livre-CD-là, c'est le premier d'une série de 7. Hein? Donc là, je m'attaque vraiment à la base. Donc, ceux qui sont familiers avec les chakras, donc chakra racine. Donc, c'est vraiment la base. Donc, ça veut dire sentiment de sécurité, confiance et puis calme. Donc, c'est la base. Puis les autres vont avoir des thématiques différentes là, pour chacun des livres CD. Mais là, pour l'instant, cette campagne-là, c'est ça. Donc, on fait le premier, on voit comment ça répond et après ça, on va sûrement se revoir pour les prochains. Donc, merci beaucoup. Passez une belle soirée. À bientôt. Et n'oubliez pas d'aller visiter la page de la ruche et de gribouiller gazouiller. Bonne soirée.